Et voilà, coucou tout le monde! Coucou Xecute! Bon bah comme promis, hein, aujourd'hui un petit live encore sur Doom, encore sur la campagne, mais ça va être bien fun. Alors j'ai pas le son. Non, y a pas de son. Non, y a pas de son, ok d'accord. Là, y a pas de musique. Alors je vais rappeler vite fait, pendant que j'ai des messes. Alors. Attendez, parce que c'est un peu en mousse. Je viens seulement de revenir. Ok. Coucou Scorax. Ah, psy, voilà. Du coup, je rappelle ce qu'on a fait hier, vite fait. Au niveau de la campagne, on s'est réveillé, on sait pas trop où on était. On a poursuivi une meuf pendant un moment parce qu'elle voulait ouvrir un portail. Malheureusement, on est arrivé au tout dernier moment, on n'a pas eu le temps de l'arrêter et le portail s'est ouvert un peu devant notre gueule et on s'est retrouvé. Bah on se retrouve TP en enfer et on s'est arrêté pile à ce moment-là. Donc on va reprendre. Pour ceux qui ont loupé ou qui veulent revoir, tout simplement, je reprécise que les vidéos sont disponibles sur mon YouTube. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est déjà, elles sont déjà dessus, donc voilà. Et du coup on va continuer. Donc voilà, j'étais en difficulté normale, on va dire. Et voilà, donc arrivé en enfer. Je pense que ça risque d'être beaucoup plus glauque et beaucoup plus épique que hier encore. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va foutre en enfer. On va à mon avis rencontrer des sacrés monstres. Tout cas, ça va être bien cool. Bon, le premier chargement est un petit peu long. J'avoue que j'ai rien chargé. Donc, mais voilà, c'est bon, on y est. Si un ennemi possède une tête, considérez-la comme un point faible. Merci, le jeu. Coucou Liana. Ah bah, il faut parler, je sais pas si t'es devant, moi. Du coup, coucou Liana. Alors, on avait utilisé beaucoup d'armes. Ouais, on avait utilisé beaucoup de missions, c'était le bordel avant de rentrer. On va peut-être prendre le plasma qu'on a encore à fond. Et du coup, on va continuer. Il est là. Oh, bonjour la voix. C'est super bien fait, n'empêche. Quand on regarde le fond et tout, ouais. C'est vraiment magnifique. J'ai pas compris ce que le jeu te dit, tu peux le redire. Au moment du chargement, le jeu m'a dit que si l'ennemi a une tête, c'est considéré comme un point faible. Bon, des bruits bizarres, des corps calcinés. Nous allons installer l'appareil dimensionnel dans le tombeau. Utilisez les perches lumineuses pour baliser le chemin. Ok. C'est vrai que notre but c'est de sortir maintenant. Donc il va falloir suivre les balises. Je sais pas comment certains humains ont réussi à passer aussi. Mais apparemment, ils ont réussi. Oh. Ah, un cadeau déjà direct. Ça, c'est bien. Le fusigos. Mais elle est géniale cette arme. Donc ça utilise le plasma, hein, j'ai l'impression. D'ailleurs on va voir ça, ouais. Par contre 15 plasmas à partir. Il vaut mieux avoir la dose, mais alors c'est sympa comme arme.
Ah, j'ai vraiment rien. Voilà. Ceux-là, on peut prendre. Hein. On va pas s'emmerder. Faut savoir tirer, c'est pas pour moi. Mais attends, au sniper, mais je suis trop fort au snipe, moi. Oh merde. Les gros, j'adore vraiment les... Oh là là. Ça, c'est bien le bordel des débuts. Il y a un gros monstre mort là-haut. En bas. Je pense qu'on va en avoir des vivants bientôt, des gros comme ça. C'est que j'ai encore une coupure. Pas de soucis, mec. J'ai vu que t'avais l'air de galérer un peu. Apparemment, il y a des petits secrets hein, qu'il faut ouvrir. Je ne sais trop comment. Il y a un gros là-haut. Wow, je me suis fait exploser. Il y a un truc qui m'a fait super mal. Putain. Eh hey, bonsoir Xen. Comment ça va mec? Elle fait du dégât, hein, cette arme. Point de passage atteint. Merci le jeu. Eh ben.
Pauvre Scorox avec sa collection. Ouais, mais bientôt ça va changer apparemment, c'est cool. Je sais pas comment ouvrir ces portes là, c'est peut-être plus tard. C'est pareil. Moi je comprends pas la langue démoniaque. C'est dommage. Alors bon. Bim, on se remplit un peu la vie, tout ça. Je crois que c'est par là. Ça nous fait revenir là. Oups. Attends, pas faire bêtises. Se tomber ici, c'est toujours relou. Bon, faut que je trouve où aller. Ah, je peux le prendre de là? Oh non. C'est vrai que j'ai une carte super pas pratique. Ça c'est quoi ça? Objectif, ok, faut que j'aille plus en bas. Et le bleu. My bad. C'est quoi ça? Crâne jaune. Ok. Ah, du coup là faut un crâne bleu, c'est ça. Ça doit être ça. Et au début, il me semble qu'il y avait un truc avec un crâne jaune. Par contre, là, ça me... J'ai envie d'y aller, moi. Du coup, c'est derrière, faut remonter là-haut, non? Ah et oui, toujours en train. Le jeu est vraiment, vraiment cool, je trouve. Donc là, je vais pouvoir passer. Voilà, ok. Ouais, comme les cartes, effectivement. Ah, ça c'est un truc de rune, c'est ça? Ah, ça par contre, je prends. D'ailleurs, il me semble qu'il m'en manquait que un. Pour faire ce que je voulais. Technologie. Les éléments d'exploration apparaissent automatiquement sur la carte. Voilà. On est les maîtres. On a débloqué le bricolage en succès. Oh, on a le nombre d'ennemis qu'on a tué avec l'arme. J'avais pas vu ça hier. Fusil d'assaut 117. Ouais, le pompe 219, normal. Au premier âge, lors de la première bataille, lorsque les ombres se sont allongées pour la première fois, ah non, c'est même pas un seul s'est dressé, brûlé par les braises d'Armageddon. Son âme, tumifiée par les feux de l'enfer et corrompue au-delà du salut, il a choisi la voie du tourment éternel. Il n'a pas trouvé la paix dans sa haine dévorante. Il a écumé les plaines ombrales pour se venger des seigneurs des ténèbres qu'il avait trahis. Il a porté la couronne des sentinelles nocturnes et ceux qui ont tâté de son épée l'ont surnommé le tueur de mort. Le tueur de mort. Bon, moi c'est stylé comme nom. Et je pense qu'on... A mon avis, on va rencontrer le tueur de mort, hein, au bout d'un moment.
J'essaye toujours de faire gaffe aux munitions parce que j'ai pas tant de munitions que ça. Ah putain. En v'là un qu'on aime pas trop. Faut tuer lui en premier parce qu'il fait pop des. Il fait pop d'autres monstres. Bah ouais, il l'appelle comme ça, écoute. C'est pas moi qui donne les surnoms. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Ah, j'ai entendu dire hier, tout à l'heure. Il parlait un peu du nouveau Doom sur le Discord de l'UD. Et apparemment, il y a déjà quelqu'un... Un runner qui a fini le... Qui a fini le jeu donc en... Je crois que c'est Ultra Cauchemar, c'est le jeu... sa difficulté la plus haute avec seulement une vie. Sinon tu recommences du début. Et il l'a fini en 5h15 déjà. Ça commence déjà à taper dans le lourd. Hein. Et des mecs franchement ils sont... Ils sont quand même doués. Hein. Parce que là on est qu'en normal. Hein, et y a certains combats... Je trouve déjà que c'est bien le bordel. Hein. Alors là, je tourne un peu pour tout ramasser, mais... Je sais pas trop où faut aller concrètement. Si, ça doit être... soit là-haut... Mais non, parce qu'on vient là. Ah oui, et la map avec le nouveau truc, comment ça se passe? Ah oui, il y a clairement... Il y a quasi tout qui est affiché, j'ai l'impression. Ça, c'est cool. Avec en rouge ce qu'on a pris. Bon, bah au moins, on a... On sait pas mal. Il doit être très fort pour tuer des morts. Hein. C'est ce que je me disais aussi. Ah, on a retrouvé un truc de tronçonneuse. Alors, hashtag phase de plateforme, hein, si vous l'avez pas compris. Putain. Je déteste ce genre de truc. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et maintenant, on revient. On a fait le tour, en fait. On a fait le tour et on vient de bouger des plateformes par... par le pouvoir... démoniaque. Bien évidemment. Du coup, on va pouvoir monter. Parce que là, c'est le début. Intéressant, cette armure. Ouais, mais je suis presque à fond. Allez. Alors. Petit joueur. Ah, c'est le début, et puis c'est le let's play. Tu sais, si c'est pour me voir refaire la même map en boucle au tout début, je trouve pas ça super intéressant non plus. Mais j'y réfléchis, c'est un jeu qui peut être très intéressant en speedrun. Et moi qui suis... Ça c'est quoi par contre? Ok. Un TP. Ah ok, d'accord. Mais attends. Parce
que là, oui, là, il y a des munitions quand même. C'est important de prendre. Ah, surtout qu'il y a un secret. Avec la petite musique de Doom. Ok. Modèle de revenant Doomguy astronaute. Sympa. Et donc la clé bleue, c'est là où on était plus bas. Okay. Mais en tout cas, ouais, je disais, Doom, c'est un jeu qui peut être intéressant, hein, speedrun, clairement. Bah non, c'est drôle, comme je disais à je sais plus qui tout à l'heure, mais c'était pas en live en tout cas. Maintenant, à chaque fois, je commence un jeu. Je regarde toujours s'il peut être sympa de speedrun. C'est une chose que je faisais vraiment jamais avant. Alors là, on va attraper du dégât. Bim. Alors, là, on vient de ramasser. On fait 4 fois plus de dégâts. Du coup, le pompe, c'est vraiment la... Ça, c'est les cacodéons, ça. Excellent. Voilà, même avec le... Avec le simple fusil à pompe, on fait des dégâts insane. Ah bah ça y est, c'est fini. La musique dans l'enfer, les musiques dans l'enfer sont clairement stylées, je trouve. Ma vie. Oh le bâtard. Non. Dur. Fuck. T'as envie de tout speedrunner, mais c'est un peu ça, ouais. Coucou Namoker, comment ça va? Ah, j'ai vraiment pris plaisir à speedrunner alors que je pensais pas, parce que refaire à l'infini les jeux, en fait, c'est pas dans ma... C'est pas trop dans mon habitude de faire, mais quant à la commu derrière et tout, c'est... Je me demande s'il faut pas attendre un peu avant que je prenne le quad damage du coup. Parce que clairement avec tous les monstres... Tu me diras là on a plein de vie aussi hein, j'ai... complètement zappé. Ouais. Ah mais laisse-moi passer.
Ok, on me fait pas chier, moi, bordel. Bon, bah, c'était chaud comme combat, ça. Bah, moi, ça va nickel, merci. Pour te raser la barbe. Ah, j'avoue qu'il me faut mastin pour me raser, moi, en vrai. Ça aurait pu, hein, c'était crédible, hein. Ouais, pour le combat là, j'étais masse concentré, tu m'étonnes. T'as, j'hésite dans quoi mettre ce point. Il y a la vie, ça commence à devenir chaud, les munitions, ça commence à devenir chaud. Du coup, quoi mettre? Je pense que je vais quand même mettre les munitions. Et j'arrive à 40... ouais, 40 munitions de souvenirs. Par contre, c'est qui me parle, là, depuis tout à l'heure? Oui. Vous allez vous calmer? Oh là là. Ah, tu sérieux? Ah ouais. Ouh. Ok, il me dit non, viens pas tout près. Salaud. T'as commencé à en avoir beaucoup des comme ça. Ça va me vider mes munitions de lance-roquettes de ouf, quoi. Ouais, heureusement que j'ai... Non, ça, c'était vraiment très débile de ma part. Je le regrette. Bon, ok, au moins... Ça servira pour un mec. Voilà. Oh. Oh, oh, oh. Une petite mitrailleuse. Mais attendez. Mais j'ai toutes les armes là. Ça y est, j'ai toutes les armes, on dirait. Ok. Maintenant, il n'y a plus que ces améliorations à débloquer au fur et à mesure. Par contre, mitrailleuse 150 balles, ça va partir vite, je pense. Il te reste pas de ta barbe, tu perdrais des points de saut avec mes carrières. Carrément d'accord, avec Zen. Me fait pas... Hop! Ça m'a fait tellement mal de me prendre la... Ah ouais, non, mais j'ai pris la tête qui m'a foncé dessus. Donc ça s'appelle les âmes perdues. La première que je me suis pris, ça m'a... Il faut que je les focus en premier, quoi. Mais clairement... Oh, j'ai tout à refaire. Bon, ouais. Thank you.
Scorvox est toujours là pour m'encourager. Et ça, c'est bien. Je sais aussi apprécier. Alors, c'est qui le plus fort, hein? Par contre, les munitions que ça m'a bouffé. J'ai bien fait de prendre. Oh, une phase de plateforme ici, c'est. Genre génial. Ah ouais, d'accord. Si, elles font énormément de dégâts. Bah, t'as vu comment je les ai défoncés, les trucs? Le problème, c'est les munitions, quoi, je trouve. Par contre. Oui, parce que ça fait quand même ses dégâts. Le problème, c'est que là, j'ai utilisé la moitié de mes roquettes, quoi, alors que j'étais blindé. Et ça, c'est embêtant, par contre. Non, c'est pas moi sur les plateformes. Bah, surtout s'il y a des ennemis qui pop, j'avoue que. J'avoue ne pas être à mon avantage. On peut monter là ou on peut redescendre. Je crois que je vais redescendre pour prendre la vie et tout ça. J'ai 5. Je vais peut-être pouvoir améliorer quelque chose. Ici non. Attendez, parce que je sais plus trop où j'en étais par rapport à hier. Il m'en faut 6. Ah, 3. C'est pour. Ah oui, la grenade paralysante. C'est vrai qu'il y a ça. On va augmenter la taille de la grenade paralysante. Et. Voilà. Ici, on peut améliorer quelque chose. Hein. Ouais, bah, on n'a pas trop le choix, c'est ça.
Ça fait quoi? Diminution des dégâts d'environnement subis. Ouais. Alors les dégâts d'environnement, c'est tout ce qui est... C'est tout ce qui est... Des fois, il y a du feu, qu'on peut se prendre ce genre de truc. Bon, c'est toujours ça de pris. Là, par contre, j'ai gagné le droit de refaire tout le tour. Je crois bien. Alors oui, ok, c'est cool. Je me suis remis full life. Parce qu'en vrai, faut ouvrir cette porte là. Bon, moi, je refais le plein de munitions. Wow. Ok. Ça me pousse de tous les côtés. Par contre, c'est sympa quand on se prend des coups. On sait de quel côté ça vient parce qu'on est vraiment propulsé de ce côté. Oh merde. Ça me pousse de tous les côtés. Par contre, c'est sympa quand on se prend des coups. On sait de quel côté ça vient parce qu'on est vraiment propulsé de ce côté. Oh merde. Il semblait bien que j'entendais un gros truc d'ici. Ok. Amélioration. On va avoir un TP. Avant le TP, on va faire un peu le tour. Ok, ça c'est ça c'est la carte. D'accord. Fais-moi voir la carte. Il y a un truc au-dessus. Au-dessus de ma gueule. Il y a un secret. Il y a des secrets tellement partout dans le jeu. C'est bien. Ah si, peut-être en passant par au-dessus de ma gueule, ça doit être par là.
Bah, c'est encore plus haut. C'est là-dessus. Je peux pas monter, moi, là-dessus. Bon, bah, tant pis. Du châtiment dans l'ombre et la lumière, dans le feu et la glace, au début et à la fin. Et il pourchassa les esclaves du destin avec la plus féroce cruauté, car il a franchi le fossé comme nul autre avant lui, hormis les démons. Ok. Bon, on nous présente gentiment Gusta, tueur de mort. Personnage très sympathique, on dirait, quand même. Ah bah voilà, bah on est au-dessus, justement. Quand même aller prendre le... l'armure. Là, il y a plein de trucs. Ouais, les thèmes, bah, au début, entre l'extérieur, l'intérieur et tout, ça va. Franchement, pour un Doom, c'est assez cool. Affaiblissez au fusil d'assaut un chevalier de l'enfer. Faites-le sur 3 chevaliers de l'enfer avant la fin du temps imparti. C'est quoi encore? Les chevaliers de l'enfer, c'est les... Pff, on va voir. Coucou l'homme vert. Tu vas bien? T'as faut en mettre des coups. Oh, oh, oh. Ok, nice. Ah non, mais c'est pas ça un glory kill. Merde, c'est quoi alors? Ah merde. Par-dessus. Je lis la moitié. On s'engueule pas, attention. Par-dessus, ok, c'est un peu plus dur.
Bon, c'est pas très grave. Ici, une glory kill de beaucoup plus loin. De toute façon, la rune, elle m'intéresse pas. On va pas grave pour la rune, c'est pas indispensable. Par contre, du coup, ouais, je crois que c'est par là. Oui, d'ailleurs, il y a un point ici, c'est très bien. Beaucoup de trucs à ramasser. Ah, on va pouvoir améliorer. Qu'est-ce qu'on a pas amélioré? Ah, le canon. Le canon, très bien ça. Permettant de charger un tir en plus. Oh, ça m'intéresse. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir l'améliorer direct derrière. Voilà. Alors, un rayon génère une puissante zone d'effet. Réduction du temps de chargement. Non, une grande zone d'effet. Voilà. Et au prochain gros monstre, on essaye direct. Par contre, je vois vraiment pas le chemin. Il est où l'objectif? C'est par là. Ah, c'est par là. Oh, ouais, ok, c'est là. Ok, donc ils sont clairement passés par là, les mecs. Oh, vraiment, ton cas, yeah. Vous êtes fou. Alors. Ah, c'est génial ça. Ah, mais c'est en train. Quel est ce monstre? Le baron infernal.
Putain. Ah, ça devient complètement épique. Ah, mais c'était quoi ces monstres là? Je sais même plus où faut aller maintenant. Ah, la porte s'est ouverte, tiens. Là, c'est de là d'où je viens. Ou pas. J'en ai aucune idée en fait. Non, c'est de là d'où je viens. Ok, bon. Bon, je ramasse hein, tout ce qui est munitions. Vie et tout le bordel après ça. On dirait un démon majeur. De cornes de Warhammer. Ah, je connais pas trop bien moi le monde de Warhammer. En tout cas, faut dire que les ennemis sont quand même stylés hein, dans le jeu. Ça, c'est quoi ça? Bim bim. On arrive bientôt vers la fin, j'ai l'impression. Enfin, vers la fin. Vers la fin de la map. Hein, parce que je pense pas qu'on s'approche de la fin du jeu quand même. Ça devient le bordel, ils sont en train de se fighter quoi entre eux. C'est juste énorme. Putain. Bon, et moi je saute où? C'est ça la question. Oh là là, phase de plateforme, bonjour. J'ai même pas envie d'aller chercher l'armure là-haut. Ça fait son petit effet Storm quand même. Alors par contre ça utilise je sais pas combien de munitions. Mais les cacodémons ont one shot quoi. Mais non, mais je voulais aider celui qui était en train de perdre. Mais
Mais finalement, il était déjà mort avant que j'intervienne. Et ça, c'est dommage. Équilibrer les chances. Parce que même les démons ont droit. Un peu d'équité. Non mais... Ah, est-ce qu'on va me reparler du méchant? Et dans sa conquête des âmes noircies des damnés, il fit montre de prouesse. Dans sa croisade, les anges lui accordèrent puissance et rapidité. Et de toute sa force, il fit chuter les piliers obsidiens des temples sanglants. Il avança sans pitié sur les bêtes des neuf cercles. Indestructible, incorruptible, impitoyable. Le tueur de mort voua de mettre fin à la domination du royaume des ténèbres. C'est peut-être moi alors. Le tueur de mort. Ouais, la voix est clairement épique, même même pour la voix FR, je trouve ça juste génial. J'ai peur du tueur de mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Augmente les effets des pouvoirs. De la capacité d'équipement. Peut-être. Affecte la vitesse de certaines actions. Genre. Hein. Change plus rapidement d'arme. Ouais. Je trouve pas que ça met autant tant de temps que ça. Réduit le dé de recharge de l'équipement. Ok, ça je veux bien. C'est tout ce qui est grenade, tout ça. D'ailleurs, ça, je me suis pas servi de ma greu encore. Mais les maps là sont un peu. C'est beaucoup mieux en intérieur. Allez, une petite greu pour le plaisir. Voilà. Tout est au max. Alors, plein de munitions. Oh là ça pue grave hein les mecs hein. Ah je vous le dis direct. Ça sent vraiment pas bon. Là on va débarquer. Oh lolo. Attention. On va attendre un peu avant de prendre le quad damage. Putain, il y a de la vie nulle part, t'es sérieux?
sais pas si on est sauvé avec Maxel. Purée de merde. Bon. Oh le bâtard! Non mais. Il est complètement ouf ce. Putain, j'avais 70 PV encore! Et là, il m'a foutu 3 baffes! Et c'était fini! Il n'y aurait plus de suspense! Ah bah là, même avec ça, il reste du suspense, hein! Ok. Non! Ah purée! Je suis sûr que c'est le dernier. Ouais, mais c'est presque, c'est pas.
Ah, purée de merde. Faut que je... C'est dur de savoir quand utiliser exactement le... Le quad damage. Je pense avoir trouvé un bon timing. Et je pense que c'est le bon, mais faut pas que je me prenne... C'est dès que les... Dès que ce rocket commence à arriver... Là. Putain, mais je suis bloqué, c'est pas vrai. Oh, bon là, c'est même pas la peine. Pardon, petit freeze. What? Il m'a éclaté. Le problème, c'est qu'il spawn au fur et à mesure. Ils spawn pas tous en même temps. Alors j'attends. Mais j'étais bien parti, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, allez. Faire beaucoup trop de vie, c'est là quoi. J'ai peut-être une idée.
c'était facile. J'ai 3 points. T'as, c'était ouf, quoi. Merci. Vraiment, vraiment dur hein, comme passage. Ça devient corsé quoi. Fait le tour. On va retourner sur Mars. On regarde un peu ce qui se passe avant d'appuyer sur le bouton. On sait pas trop encore ce que c'est hein, ce robot là. Oh, bon. Et du coup le robot a déjà été en enfer. C'est vraiment bizarre. Le robot qui nous parle là. Bah bonne nuit Namoker, merci d'être passé. Et des bisous. Station argent détruite. Ok, donc là on va revenir à mon avis. Vu que le portail est ouvert depuis un moment, ça va être le gros bordel. Vous avez combattu en enfer et avez réussi à en revenir, mais les démons ont débarqué sur Mars forcément. Trouvez un moyen de fermer le portail vers l'enfer. Ok. Encore beaucoup de choses. Bah, j'espère aussi. Enfer sur Mars. Alors fais voir. Dans quel état est la station? Ah. La tour argent est détruite. Le portail ne peut plus être fermé de ce côté. L'énergie infernale provient d'une région de leur monde que nous appelons Thuy. Mais vous êtes. Le seul être de chair et de sang a passé d'une dimension à l'autre. Il y a donc peut-être une solution. Vega tente d'accéder au fichier d'Olivia. Rendez-vous au terminal le plus proche. Nous vous fournirons des informations. Ce sera tout. Ah, merci Samuel. T'es très gentil comme personnage. Je t'apprécie beaucoup. Cependant, j'espère vraiment qu'on te défoncera au cours de l'histoire. Comment qu'elle est détruite la station, mais truc de fou.
Bon, ça il était pas très bien caché. Oh, je suis dans une zone. Ah, quoique. Fallait aller là? Non. Non, bah, apparemment. Ah, fallait aller là-haut. Et moi, je suis descendu, d'accord. Point de passage. Ah, tous les cacodémons là-haut. C'est tellement le bordel que les monstres, ils s'occupent même plus de ma gueule, quoi. Genre, rien à foutre. Ça, je prends avec plaisir. Personnel d'Olivia ne figure pas dans la base de données des installations officielles. Il vous faudra une autorisation alpha pour le situer. Accordé. Ah, et gentil. Vous accéderez à son site Lazarus depuis le secteur nord du complexe de recherches avancées, à 80 km d'ici. Oh bah c'est pas loin. Ouais, 80 km. Je vais réactiver le tram pour vous y conduire. Ça c'est gentil. Mais il vous faudra la carte officielle pour le démarrer. Vous trouverez un poste de sécurité à côté d'ici. Il est parti, l'homme vert. Allez, bim. Beaucoup de trucs à lire sur les monstres, mais bon. Après, vu que c'est pas... Enfin, dans un let's play, on va pas s'amuser à tout lire. Mais là, c'est vrai qu'on regarde, il y a quand même beaucoup de... Beaucoup de trucs à choper et tout, c'est assez assez marrant, je trouve. Par contre, on voit qu'il y a clairement pas beaucoup de gardes possédés. Les artefacts, ah, didacticien, personnel, ok. Monstre, base de données, artefact. On commence à avoir pas mal de choses. Hein. Je pense qu'on va être aux deux tiers du jeu quand même. Bon, là ça va commencer à refight. Eh bim, je t'éclate la gueule, moi. Encore un cacodémon.
Ah, c'est ma faute. T'avais le somme de pas être le meilleur karatéka du chat. Ça, c'est vrai. Mais bon, aucune raison de le faire. C'est vrai que mon coup de kick hein, sur le chat, il est pas mauvais. Mais la... Les munitions sont utiles. Allez, roquettes, j'ai utilisé quasi tout mon stock. Non. Là, par contre, ça, c'est une boîte qui... Je sais pas. Bizarre. Non, bah heureusement. Bon, je fouille un petit peu, mais ça sert à rien, j'ai l'impression. Dans la tête. Je crois qu'il y a un gros derrière. Il y en a. Ok. Ça c'est fait. Donc ça utilise 3 de carbu aussi pour les... Les squelettes à roquettes. Ceux qui vous ont précédé et ceux avec qui vous travaillez ont tous le même objectif. Le développement d'une nouvelle ère pour l'humanité. C'est ce principe. Il m'avait manqué cet hologramme. Monsieur, je suis à côté de la plaque. Oh, pourquoi pas. Du coup, là, ça a l'air d'être juste une épreuve de... Un parcours. Bon, il doit y avoir des ennemis, sinon... Il faut juste que je récupère des runes. Tu vois. Il va falloir aller vite. Attention.
C'est un peu du Mirror's Edge. Oh merde. Ouais, non. Souvent, en fait, c'est des défis pour débloquer des reliques. Ok, ça c'est facile. Moi j'ai joué à Mirror's Edge et je l'ai fini déjà plein de fois, alors hein. Un parcours comme ça, ça me fait pas peur. Attendez juste 2 secondes, j'ai un truc qui s'est lancé en fond, je le coupe, voilà. Mobilité en l'air, ça peut être pas mal par contre. Je vais peut-être. Ah ouais, tu. Ok, d'accord. Ah, t'es beaucoup plus mobile et qui. Carrément, c'est cool. Alors on est revenu au tout début, hein. Enfin au tout début. Il me semble que ça c'est genre la deuxième map. Enfin il y a des bouts en tout cas. Ceux qui vous ont précédé et ceux avec qui vous travaillez ont tous le même objectif. Le développement d'une nouvelle ère pour l'humanité. C'est ce principe. Bonne nuit l'homme vert, merci d'être passé. Et hésite pas hein, si tu veux voir la suite, y aura les VOD sur YouTube. Hein. Elles seront dispo dès demain. Oui, bonjour. C'est pas gentil. C'est costaud comme bestiaux. Par contre, le finish il est très sale. Hein. Clairement, on respecte pas la bait. Ok, le shotgun marche très bien. Pas de soucis, l'homme vert. Ouais. Non, je vais devoir suivre. Ce démon semble s'être emparé de votre carte d'accès. Vous devez la retrouver. La station de tram ne sera pas accessible sans l'autorisation appropriée. J'aime bien le second degré de certains. Certains dialogues. Ma carte d'accès, c'est juste parce qu'il se barre avec le mec. Alors, effectivement, il y a la carte d'accès autour du cou. Ou il me faut peut-être la main ou quelque chose dans le genre. Mais... C'est rigolo. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre comment faut les tuer.
Devant, ils ont un bouclier, en fait. Faut d'abord qu'ils te foncent dessus. Oh, voilà. D'accord. Ah bah oui, du coup, oui, c'est plus simple. C'est triste, il a volé ta carte d'accès, c'est clair. Est-ce que je peux pas améliorer? Si j'ai 2 points. Augmente le nombre de charges de l'équipement. Ah, pour avoir plusieurs greux. On va attendre 1 point de plus. Ouais, je redescends, voilà, effectivement. Voilà, oui, il y avait des ennemis, mais j'en reviens. J'aurais trouvé quelque chose. Si... Ça, c'est une caisse qui s'ouvre, non? Voilà, merci émission. Ça c'est cool. Putain, les dégâts! Fais chier!
Des expériences et des objets hautement explosifs sont actuellement étudiés à bonne distance. Nutrition démoniaque. Monsieur. Wouhou. Fiche-moi la paix. C'est vrai que j'ai pas regardé les défis. Tuer 5 démons à la tronçonneuse, ok. Tuer un revenant pendant qu'il est en l'air. Ça c'est compliqué quand même. Accès refusé. Autorisation de niveau jeune demandé. L'exploration non autorisée. Non, j'en reviens là. Ok. Ah, et mon point de compétence était barré par là, non? C'est vrai qu'il y avait un point de compétence au début. Utiliser la grue. Ok. Ok, j'ai trouvé un début de passage là-haut. Mais avant, on va faire le tour. Ah non, mon point il est là. Ah non, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, c'est un... La méga santé, 200-200. Ah ça, c'est cool. Putain, on avait pas eu depuis le début. Non, c'est vrai que c'est un... C'est un objet à la Doom, ça. Bon, alors... Secret trouvé. J'étais pas censé aller là. Alors. En maintenant, le module d'arme transforme les canons en tourelles mobiles. En cas de surchauffe. Voilà, je vais prendre le canon rotatif. Ça, ça tourne et a plus qu'à tirer. Voilà, comme ça, ça m'a pas 10 ans à tirer, c'est sympa. Ok. Et je vais peut-être même pouvoir l'améliorer direct. De façon significative, la vitesse. Bon, on va éviter de tirer encore avec. La tronçon. Je vais découper du démon avec la tronçon.
impressionnant. Oh, elle a la tronçonneuse. Elle est violente de ouf. En tout cas, j'ai fait mon petit défi. C'est quoi celui qui reste? Ah ouais, tuer un revenant pendant qu'il est en l'air. Alors là, les revenants, c'est les tout petits zombies, sont toujours au sol pour moi. Ok, faut vraiment que je passe par là, d'accord. Ah ah ah, ok, j'ai plus de munitions. Voilà, super vitesse. C'est énorme. J'utilise tellement de munitions. La violence, quoi. Tu lui mets un coup de pied pour qu'il vole, au pire. Ah mais j'ai que ça moi en coup de... Ouais. Bon, on verra bien. Enfin, on verra bien. Accès refusé. Autorisation de niveau jeune demandée. T'es sûr que tu vas pas me faire un sale coup en voulant la prendre? Voilà, voilà ma carte jaune. Vous ne pouvez pas envoyer d'équipe pour le récupérer. Je dirige cette corporation. Notre travail et nos découvertes m'appartiennent. Il était à moi avant même que vous ne le trouviez. Ok, donc ça fait un moment qu'ils ont l'air d'être en froid. Accès accordé. Attention, ça c'est le genre de truc de piège à la con. Mais c'est bon. Ok, on revient là. Comme la map est bien faite. C'était où l'ouverte? C'est là qu'il fallait là. Accès accordé. Merci. Merci Execute. Thank you.
Je vais prendre le tram. Le tram s'apprête à partir. Oui, bah t'attends un petit peu. Le complexe de recherche avancée de l'UAC est notre destination finale. Ouais, bon, y'a rien. Prenons le tram. Pourquoi y'a des bougies partout? Je sais pas, des petits rituels peut-être. Ils aiment bien ça, les démons. Alors, complexe de recherche avancé. Du coup, faut que je récupère... Alors, vous avez la position des bureaux privés d'Olivia dans le complexe Lazarus, où tout a commencé. Traversez le complexe de recherche avancé pour accéder à l'entrée. Exploitez tous les éléments que vous trouverez en route. Je sais plus trop ce qu'il faut que j'aille chercher. C'est un artefact, un truc dans le genre. Nous approchons du complexe de recherche avancée de l'UAC. Ah, je peux pas bouger, mais c'est stylé. Il est temps que nous nous rencontrions. Mon bureau se trouve à l'étage de ce bâtiment. Dans son bureau, on va le rencontrer en personne. Ça, c'est le genre de rencontre qui finissent pas bien. Mais bon, s'il veut que j'aille le voir. Bon, par contre, on va faire une petite pause de 5 minutes. Je vais me refaire un café, tiens. Donc, j'arrive qu'à 5 minutes et puis on va aller voir Samuel. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vais vous mettre un petit peu de musique.